avec ses politiques à la con. Il voulait seulement des voyages, fumer de la beuh sur une plage. Il aurait bien voulu travailler, mais ça, non, ça il savait pas faire. Il savait seulement faner, pour ça il était mieux chez sa mère. Parfois il allait en free party, taper des roues ou des enfêtes. Il criait comme ça un peu sa vie, mais le lundi, il aimait pas trop sa vie. Il préférait bien celle des autres. Il rêvait d'amour et de rencontres. Il était triste comme un jour de mai. Il s'en battait de l'avenir du monde. Il avait même pas de micro-ondes. Il voulait passer sur les ondes. Il s'en battait de l'avenir du monde. Il avait même pas de micro-ondes. Il voulait passer sur les ondes. Le plus dur, c'était la nuit. Il sentait son cerveau moisir. Il restait bien trop seul à salir la housse de couette de son lit. Il rêvait d'être passionné, d'avoir la pêche dès le lever. Deux ou trois gosses à élever et une femme qu'il aurait aimé. Malgré son caractère d'agité et puis sa flemme de nouveau-né. Avec ses oreilles décollées, ses points noirs sur le nez. Le soir il écoutait du son. Il avait du mal à s'endormir. Il passait des heures à regarder le plafond et à fumer. Il s'en battait de l'avenir du monde. Il avait même pas de micro-ondes. Il voulait passer sur les ondes. Il s'en battait de l'avenir du monde. Il avait même pas de micro-ondes. Il voulait passer sur les ondes. Vous aurez rien contre les cauchemars. Les cauchemars. Vous aurez rien contre les cauchemars. Les cauchemars. Vous aurez rien contre les cauchemars. Mais un jour, les témoins de Jéhovah sont venus frapper à son trouara. Ils demandaient si sa vie avait un sens, et là ils ont senti l'odeur de l'essence. Les yeux dans le vide, il leur a dit que sa vie c'était un sens interdit. Avec une allumette, il a tout fait péter sa vie, son ennui, ses voisins, son quartier. Il avait plus une thune pour le loyer, il avait plus de quoi se payer à bouffer. Il en avait marre des DVD, et maintenant il préférait tout brûler. Il en avait marre de continuer à regarder sa vie à la télé. Y'a rien à faire, y'a rien à attendre. Il s'en battait de l'avenir du monde. Il s'en battait de l'avenir du monde. Il avait même pas de micro-ondes. Il voulait passer sur les ondes. Il s'en battait de l'avenir du monde. Il avait même pas de micro-ondes. Il voulait passer sur les ondes. Y'en a à attendre.